il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui viennent. Ça, c'est un devoir. Alors, je peux tout dire, que tout c'est quelque chose que je peux dire ici. Si tu ne crois pas, cela ne va pas marcher dans ta vie. Cela ne va pas marcher dans ta vie. Et je ne peux pas te forcer, Dieu aussi ne peut pas te forcer. Mais si tu crois, si tu acceptes, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Et Dieu veut te montrer sa gloire. Amen. Dieu veut te montrer sa gloire. Dieu veut faire ceci et cela dans ta vie. Il veut tout ce que tu as mis devant lui. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Il veut te faire. Il veut se glorifier dans ta vie. Tu dois croire pour que ta foi est cette clé qui ouvre à Dieu la porte d'entrer dans ta vie et de se manifester. Ta foi est cette force qui entre dans ta vie pour opérer des miracles. Tu vas voir les miracles de Dieu dans ta vie si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ce qui était mort dans ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie, toutes tes relations qui étaient mortes, toutes tes finances qui étaient volées, toutes les histoires qui étaient mortes maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la vie. J'appelle ça à l'existence parce que tu crois. Parce que tu crois, parce que tu crois, parce que tu crois, parce que tu crois. Maintenant, parce que tu crois. Non. Non. Tu ne peux pas regarder ces choses ici. Rester assis. Non. Si tu t'es mis à regarder ça, c'est parce que tu veux croire. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour toi est ceci. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Parce qu'il t'aime, il veut payer pour toi tes écoles. Il veut payer pour toi ton loyer. Il veut même t'acheter une nouvelle maison. Il veut t'acheter une nouvelle voiture. Il veut ressusciter tous tes rêves. Tous tes rêves. Jésus-Christ veut le ressusciter. Maintenant, est-ce que tu crois, mon frère? Est-ce que tu crois, ma soeur? Est-ce que quelqu'un croit ces choses avec moi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Jésus-Christ nous dit dans sa parole, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Mon frère, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Examine toi-même. Est-ce que tu es dans la foi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu n'est pas loin. Parce que la gloire de Dieu n'est pas loin. Dieu, notre Dieu, l'éternel des armées, ce n'est pas un Dieu qui est loin. Sa main n'est pas courte. Ses yeux ne sont pas fermés. Non, 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 non. Sa main n'est pas courte. Dieu peut te faire sortir et il veut te faire sortir maintenant de tous les trous où tu t'es enfoncé. Les trous là n'est pas long. Les trous, non, tu as des dettes. Tu as des dettes. Non, ce n'est pas beaucoup. L'éternel n'a pas de limites. L'éternel, c'est pourquoi il est l'éternel. Rien est difficile pour lui. L'éternel n'a pas de limites. Rien ne peut stopper la marche de Dieu. Il est le Dieu des armées. Il est l'éternel, le Dieu des armées. Rien n'a de force pour stopper la puissance de Dieu. Maintenant, c'est à toi de croire à cette force de Dieu. C'est à toi de recevoir cette force de Dieu. Et la force de Dieu va entrer en toi pour ressusciter tous tes rêves. Par l'onction de Jésus dans ma vie, sur ma tête, j'appelle à l'existence tes rêves. J'appelle, je commande tes rêves. Je dis, rêve, sors de la mort. Rêve, sors de la mort. Rêve, sors de la mort. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je commande à tes rêves de vivre. Je commande à tes rêves de vivre. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans ton corps. Tout esprit de maladie, je commande de mourir maintenant. Toute maladie dans ton corps. Tout, par l'onction de Jésus-Christ dans ma vie. Je commande à toute maladie dans ton corps de tomber maintenant. De tomber maintenant et de mourir
par le nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu de Dieu pour briser toutes les chaînes qui te tiennent prisonnier, toutes les chaînes de l'ennemi, Oshi, Karachi, Matacha, par le nom puissant de Dieu. Je déclare fermé toutes tes bouches qui s'est élevée de parler contre toi. Je les déclare enfermé pour toujours. Je commande un silence total à tes ennemis. Je commande un silence total à tes accusateurs, ceux qui s'élèvent contre toi pour t'accuser. Je les commande maintenant par l'onction puissante de Jésus-Christ de fermer leur bouche à jamais. À jamais leurs bouches seront fermées. À jamais leurs bouches seront fermées. Par le puissant nom de Jésus, je commande leur bouche de s'enfermer pour toujours par le nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu vont marcher dans la gloire de leur Père. Les enfants de Dieu vont marcher dans la gloire de leur Père. Je commande une défaite maintenant sur tous les travaux de l'ennemi. Je commande destruction par le feu dévorant tous les travaux de l'ennemi. Tous les travaux de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi, tous les prisons de l'ennemi sont brûlés. Tous les prisons de l'ennemi sont brûlés par le feu de Dieu, par le feu dévorant. Oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois avec moi, mon frère? Tu crois avec moi, mon frère? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il faut croire. Par le nom puissant de Dieu, par le nom puissant de Jésus, accepte ces choses ici. C'est ça la foi. La foi, c'est accepter. La foi, c'est recevoir. Cette parole qui vient vers toi, accepte dans ton cœur. Dis que oui, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois que mes rêves sont appelés à l'existence maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Oui, je crois, je crois, je crois, je crois. Les relations qui étaient tuées par l'ennemi, le Seigneur les rapportait à la vie. La gloire, pas la gloire. Oui, je crois, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu dans mes affaires. Toutes mes entreprises qui ont été détruites, brûlées par le feu, je vois la gloire de Dieu ramenée. Toutes ces choses à l'existence par la gloire de Dieu. Par je crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, seulement si tu crois. Jésus, parce que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous maintenant là. Il est là, il est là. C'est ça, c'est Jésus. La parole de Dieu vient avec la force de Jésus-Christ lui-même. Dieu, c'est la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint d'Israël est ici pour te guérir. Le Saint d'Israël est ici pour ramener tes rêves. Le rêve que l'ennemi a tué, le Seigneur est maintenant prêt pour appeler à la vie. Rappelez résurrection, à la résurrection, tous tes rêves, par le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, comme je suis servant de Dieu, que tu vas rêver. Que tu vas rêver encore. Les rêves que le Seigneur t'a donnés, tu vas rêver et tu vas accomplir tes rêves par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de Dieu est dans cet endroit. Et je l'envoie vers toi pour briser les chaînes. À tous ceux qui auront cru, à tous ceux qui auront cru, il les donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, avec ta foi, tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu,